Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je suis avec Florent. Salut Florent. Salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un peu la deuxième partie du tournoi, du grand tournoi qu'on avait fait. On va refaire se battre des montres. Il va re-avoir du sang. De nouveau, on part sur des montres cadran gris parce que je voulais un peu restreindre la sélection. Et on a aujourd'hui que des montres sportives. La dernière fois, c'était que des montres élégantes. Cette fois-ci, c'est que des montres sportives. Allez, c'est parti. Donc, comme on le disait la dernière fois, la nuit, tous les cadrans sont gris. Trois photos que je trouve plutôt sympas de trois montres de sport à cadran gris. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Florent, l'alliance cadran gris avec le bracelet en métal, ce côté assez uniforme? Eh bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien le tout gris. Bah là, on voit Bulgarie fait ça très bien. Je pense que tu as mis la Xapec grise aussi, la Antarctique grise, qui a cadran gris, bracelet acier. Je sais plus, peut-être. J'espère que tu l'as mise. Non, moi, j'aime bien. Ça rend bien. Là, tu vois, sur les photos que tu as mises, moi, j'aime bien. On va voir dans le détail, mais je suis convaincu. Il y aura des montres que j'aime bien dedans. T'as préféré entre la Bulgarie, la Seiko, la Vacheron Constantin? Bulgarie. Ouais, ce n'était pas une question, je le savais d'avance. Aucune. moi aussi, elle est vraiment, vraiment réussie. On va partir forcément dans ces montres de sport. On va partir dans des gammes de Seiko. On va donc des montres très sportives et on va évoluer vers des montres de luxe sportives qui se rapprochent de Bulgari et compagnie, quoi. On va voir ça ensemble. C'est Alors, parti. bon, mention spéciale, la Powermatic 80 de Tissot. J'ai rien trouvé. Elle est trop forte, imbattable. La Ouais. Seiko Sumo Ice Diver. Il y a pas, j'ai pas trouvé grand-chose et en même temps, elle n'est pas disponible en Europe. J'ai cru comprendre que c'était que aux US, donc un peu particulière celle-ci. La Speedmaster 38, pour moi, elle est horrible cette montre. Donc de base, je l'aime pas et en plus, j'ai pas trouvé grand monde à lui mettre en face pour C'est quoi que essayer de t'aimes faire pas? fort. C'est les sous-cadrans elliptiques, c'est sa Ouais, c'est tête. ça, les sous-cadrans elliptiques, encore la version grise, c'est celle qui passe mieux, mais la lunette, les sous-cadrans elliptiques, la date à 6 heures, Il y a une c'était un version autre, bleue, il y a c'était une autre. version blanc, il y a une version blanc et bleu que j'aime bien, moi. Ah, peut-être. Ah, moi, je j'aime pas du tout ce modèle. Mais bref, et pareil, j'ai pas trouvé de battle intéressant pour cette montre, donc si vous l'aimez, allez-y. Moi, bon, elle est pas à mon goût, quoi. Bien. Je rementionne les Nomos édition Dinky, même si elles font plus habillées, mais elles sont quand même étanches à 100 mètres. Je rementionne les Nomos Club Campus parce qu'elles sont toujours étanches à 100 mètres. Je mentionne la Overseas Dual Time de Vacheron Constantin parce que j'ai trouvé personne à lui mettre en face et je trouve que si vous l'aimez, allez-y. Bon, si vous arrivez à la trouver, modèle très réussi pour moi. La Offshore Diver de la Audemars Piguet Royal Oak. Une plongeuse pour 25 000 euros, cadran gris, j'ai pas trouvé d'autres que Ouais, mais celle-ci. enfin, pour moi, ce n'est pas une mention spéciale parce que c'est offshore, elles sont un peu difformes. Pour moi, j'aime pas. Ouais, moi j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je trouve qu'en plongeuse, ça passe. Vu que c'est Ouais. en plongeuse, ça peut être grossier. Et pareil, la Royal Oak Chrono Frosted Gold, j'ai pas trouvé. Pas trouvé de compétition, donc si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, ce sera sûrement plus cher que ce prix-là. Ouais, puis Voilà Frosted quoi. Gold, la vie n'est pas un clip de rap, hein, donc bon. Ouais. Ah, Frosted Gold, moi j'aime bien, c'est un peu martelé, c'est pas non plus pavé de diamant, tu vois. Mais si tu vis dans un clip de rap, c'est très bien, mais Tout le temps, tout le temps. All eyes on me. Allez, on est parti. On commence, donc on va faire évoluer les budgets. On commence le plus petit budget que j'ai trouvé. Donc, aux alentours entre 400 et 600 euros, on a deux montres de Flieger, deux montres de pilote, plutôt orientées pilote allemand, j'ai l'impression. Une Laco et une Stowa, donc qui sont deux acteurs historiques aussi, des montres de pilote allemand. Deux montres en acier, un Miyota, un ETA. Laquelle tu préfères, Florent? Moi, j'aime bien la Laco. Eh bien moi, je vais choisir la Stowa. On a clairement une IWC Big Pilot à petit budget, hein, sur la gauche. En plus, il y a même le type B. Il y a le deuxième modèle, c'est le type B, donc le type 2. Ouais, tu bais, ouais. Donc, si on veut une Big Pilot, mais à moins de 500 euros, c'est top. Mais je préfère la Stowa quand même. Donc, je choisis la Stowa. Ouais.
Sachant que ouais, les deux sont des acteurs historiques qui ont fourni des montres à l'armée allemande il y a très longtemps, quoi. Donc, c'est des modèles historiques pour les deux. Moi, l'ACO, j'aime bien le Sunburst Gris, je trouve que ça marche. Faut voir, ils le décrivent comme taupe, donc c'est aussi une variation du gris que j'aime bien. Alors. Ensuite, les divers. Alors, on a la Deep Blue Diver 1000. Deep Blue, toujours un très bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas comment ils font, mais voilà, étanche à 300 mètres pour 300 $. La Seiko Samurai et la Tissot 6 Star 1000 avec le mouvement Powermatic 80 qui a aussi étanche à 300 mètres, lunettes céramiques. Donc, je trouve un assez bon rapport. Lunettes céramiques, la Tissot ? Ouais. Ouais, donc, c'est fort. Hein. C'est, ce modèle, il est fort. Ouais, sur papier, céramique, 740 €. Ouais. On ne peut pas les faire gagner à chaque fois, Tissot. Hein, mais là, bah, là, on voit encore que Tissot, ils sont vraiment très bien placés à chaque fois avec des bons matériaux pour ce prix-là. Mais je vais choisir la Seiko Samurai. Je ne connaissais pas ce modèle en gris avec la toute petite touche de couleur sur le quart de lunette et sur le bout de l'aiguille des secondes. Je ne connaissais pas celui-là. Il est très sympa. Je vais choisir celui-là. Ouais, moi, je vais partir sur celui-là aussi. Je trouve le cadran bien réussi. Et, bon, la Samurai, ça reste une montre de plongée assez grosse en 43 mm. Mais la Tissot 6 Star a beau cocher toutes les cases et être exceptionnelle pour le prix. Le design, je peux pas. J'ai du mal. J'arrive pas. Je pense que c'est le design de la lunette qui est pas... C'est aussi les index. Tu sais, le triangle à 12 heures. Ouais. Les rectangles à 3, 6, 9 et les points, le reste, c'est du Rolex Submariner, quoi. Donc, ouais. À un moment, il faut changer, quoi. Ouais. Changer. Donc, c'est pas assez neuf, tu vois. La Samurai, je la trouve très bien réussie. Ouais, c'est les codes de la Samurai, ouais, j'aime bien. Ok. On continue toujours avec des plongeuses. On a deux Mido, la Ocean Star 200C avec le mouvement Powermatic 80, du coup. Parce que Mido fait aussi partie du groupe Swatch. La Ocean Star 200 en titane, donc un peu plus cher, mais en titane. On a la Longines Hydro Conquest et on a la Rado Captain Cook, qui elle aussi a le mouvement Powermatic 80. Donc c'est un peu, c'est le battle du groupe Swatch en fait. Ouais. Ouais. Moi, je vais choisir une Mido, mais je ne te dis pas laquelle. je sais que tu vas prendre celle en titane, du coup. Pas forcément. J'hésite entre la Mido Titan et la Captain Cook. La Captain Cook est cool, mais c'est quand même le double de la Mido. Après, la Mido, elle, le jour de la semaine, j'aime pas trop. La Longines, j'aime pas. Donc, je pense je pars sur la Captain Cook. Ouais, je pars sur la Captain Cook, modèle assez cool. Le bracelet grainerie et tout, j'aime bien. Ouais, la Captain Cook est top. Ouais. Je vais prendre la Mido en effet titane parce que j'aime bien. C'est vrai que les montres grises peuvent paraître assez ternes quand on a un cadran gris, bracelet gris. Donc j'aime bien ce rappel de couleur. Celle en titane, la seconde, avec le orange sur la lunette. Et sur le bout, donc non, elle est vraiment bien celle-là. Mais l'autre aussi est bien, l'autre Mido, la Ocean Star 200C, elle est bien aussi. Et les prix sont très bons, aux alentours de 1 000 €, c'est pas mal. Ouais. Et une plongeuse en titane à 1 000 €, je pense qu'ils sont tous à Mido. Enfin, en tout cas, en Suisse, ils sont tous. Par contre, la Rado, la Captain Cook 2300, pour le coup, là, on commence à être un peu. Ça commence à être un peu. Cher. Pas mal. Ouais. Ouais, c'est sûr. Allez, toujours dans les plongeuses. On a maintenant le battle des Oris. Alors, c'est un battle qui marche aussi avec les montres d'avant. Mais en tout cas, Oris a 3 montres grises. La Oris Dead Relief à 1 900 €. La Oris Diver 65 avec cadran gris, qui elle est étanche à 100 mètres, alors que la Dead Relief est à 300 mètres. Et la Oris Aquis en titane. À 2 200 €. Alors, au niveau du design, moi, celle que je préfère, c'est. Ouais, non, en fait, je sais pas. Vas-y, je réfléchis encore. Moi, je prends la titane. Je pense que pour 300 € de plus, tu as une montre en titane, c'est pas mal. C'est mieux, je pense que, surtout sur une montre qui a ces dimensions-là, le titane doit bien être appréciable.
Je me demande si la détridif, il n'y a pas une œuvre caritative derrière. Souvent, oui, ils font ça. Mais en tout cas, la titane, très bon rapport qui a été pris. On est au-dessus de la Mido d'avant, forcément. Mais Orisa Quiz, c'est un modèle qui marche. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas le calibre 400 à l'intérieur quoi, pour l'instant. Je pense que je suis influencé par le fait que sur les Orisa Quiz, je préfère celles qui ont des couleurs et la verte notamment. Et en plus, je préfère les versions qui sont en 40, 41, ouais, 41. 43. Ouais. Moi, si je prends une Orisa Quiz, ça ne serait pas en 43 parce que je les trouve trop massives, trop grosses. Donc là, sur ce slide-là, je choisirais la Oris Diver 65 qui n'a pas de date en plus, qui est pas mal, j'aime bien aussi sans date. Mais par contre, 100 mètres uniquement, c'est trop peu pour une diver pour moi, même si ça respecte la norme officielle des montres de plongée, le ISO, je ne sais plus combien. Voilà, je choisis quand même celle-là. Mais bon, 100 mètres, un peu limité. Okay. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un... Moi, le design ne me transcende pas sur cette Oris, sur la Diver 65. J'ai pas... Ouais. Je préfère le design plus moderne de la couche. Moi, j'aime bien. On a les graduations sur la lunette qui vont c'est vrai. 0 à 60. C'est vrai. Ça, c'est cool. Ça. Allez, on passe à la suite. Si on veut un chrono étanche, c'est-à-dire un chrono étanche à plus de 100 mètres, on a la Zin 103 Ti Diapal en titane. Étanche à 200 mètres, avec un mouvement l'ajout Perret. On a Tudor Héritage Chrono, étanche à 150 mètres, avec une base ETA et un module, pour 4000 euros. Et on est vraiment plus cher, à 6600 euros. La Seamaster 300M ETNZ, qui est en titane, qui est étanche à 300 mètres, et qui a un calibre Omega, mais qui au final est un ETA, 60, un Valjoux 7750 extrêmement modifié, avec une roue à colonne, avec l'échappement coaxial, etc. Omega qui s'est clairement approprié. Ils ont quand même changé tout l'échappement. Quoi. Donc, ouais, c'est l'architecture de base 7750. Exactement. Exactement. Mais attends, mais d'ailleurs, attends, le 7750, normalement, tu as les sous-cadrants à 6h et à midi. D'où Omega se l'est énormément approprié. Ils se le sont appropriés il y a un moment, hein, ça ne date pas d'hier. Ils ont basé sur l'architecture de 7750 leur calibre chrono. Hein. Mais il y a un moment. La Zin, c'est une GMT ? Oui, tout à fait. Et la Zin est blindée de technologie. J'en parlais sur une vidéo alternative à la Speedmaster. Blindée de technologie anti-humidité, anti-lubrifiant. Ouais, elle est cool. Moi, je vais prendre la Zin. Elle est vraiment pas mal. La Zin, elle est un peu chargée, mais je trouve que ce gris et noir fonctionne pas mal. Et en plus, c'est une GMT, chrono GMT. Je vais prendre la Zin. Ouais, ok. J'hésite entre la Zin et la Tudor. La Tudor est vraiment bien designée. Hein. Comme d'hab, chez Tudor, c'est des designs qui marchent, quoi. C'est vraiment beau. Je vais prendre la Tudor parce que 17 mm sur la Zin, c'est quand même pas mal. DPA, faut les assumer, quoi. Donc, ouais, je prends la Tudor. Ouais, 17, c'est un peu trop, ouais, en effet. Et en plus, on voit le mouvement sur la Zin, ce qui est pas mal. C'est vrai, c'est la seule, d'ailleurs. C'est la seule. Allez, on passe à la suite. Deux plongeuses, cadran gris, entre 4 et 5 000 euros. Donc, on a pour 4 000 euros la Black Bay 58 925, qui est en argent, étanche à 200 mètres. Et la Seamaster 300M, pour 5100 euros sur bracelet acier, elle doit être à 5008 si on la prend, si cette version existe sur bracelet rubber, je crois que c'est le cas, rubber bleu, elle est à 4008, étanche à 300 mètres. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de gris quand même, elle est quand même plus marron que gris pour moi. Laquelle ? Ah, la Tudor ? Ouais, la Black Bear. Ouais. Ah ouais, moi je la vois grise, moi. Ah bah oui, la Omega elle est grise, hein, c'est clair. Hein. Enfin, le cadran est gris. Mais la Tudor Black Bay, elle est taupe. Enfin, elle est taupe marron taupe, quoi. Elle n'est pas gris. Mais bon, on l'accepte, Vincent, ça ira pour cette fois. Et c'est celle que ouais, c'est surtout pour le battle, le septentriel battle entre Tudor et Omega. Ouais. Mais c'est quand même celle que je choisis, la 58. Parce que j'adore cette couleur. Mais pour moi, je la classerais pas gris. Quoi. Si tu me demandes de quelle couleur elle est, je te dis, elle est marron taupe. Mais cette couleur marche super bien. J'adore. Mm-hmm.
Ouais, un design qui est déjà réussi de base sur la Oui, 50. après le design, en effet. Moi, j'ai du mal avec ces deux montres. Il n'y en a aucune qui me tente vraiment au final. Il faut choisir. Et, ouais, je vais partir sur la Black Bay 58 pour le design. La Seamaster 300M est mieux sur le papier, mais j'ai du mal avec ce modèle, avec ce design. Donc, même si la Tudor, j'aime pas le fait qu'elle soit ouverte à l'arrière, je vais partir là-dessus. Ouais. C'est vrai que le mouvement, il y a 1000 euros d'écart, le mouvement est tellement à des années-lumière au-dessus chez Omega, quand même, Ouais. au niveau visuel. Ah non, mais c'est sûr. On a le coaxial chez Omega, il est décoré au moins ce mouvement. Enfin, Ouais, non, mais c'est. tu dors, ils auraient jamais dû l'ouvrir ce mouvement, je comprends pas. Mais non, en fait, je change d'avis, je prends la Seamaster. Je crois que je passe au-dessus du design parce que je peux pas me résoudre. Non, mais Ouais, attends, non, désolé. si la Je Tudor avait un fond de boîte fermé. prends la Tudor. Juste parce qu'il y a Non, je te un jure. Si la Tudor a un fond de boîte fermé, je prends la Tudor. Là, il est ouvert, je prends l'Omega. En plus, ça leur a coûté plus cher de faire un fond de boîte fermé avec l'étanchéité et tout. Et tout ça pour Ouais. qu'elle ne la choisisse pas. Tout ça pour que Vincent ne la choisisse pas. Bah bravo. Après, ils ont gagné de l'argent en mettant un saphir à la place. Ouais, je Mais sais pas, ouais, je sais pas. ça va Mais pas ouais. coûter très cher non plus. Ouais. Ok. Allez, la Seamaster pour moi, la Tudor pour toi. On passe à la suite. Alors là, on a le battle des montres un peu élégantes, habillées, mais toujours de sport. Les montres de sport de tous les jours. Les montres juste en minutes secondes avec peut-être une date sur bracelet acier aux alentours de 4, entre 4 et 6 000 euros. Là, on sait que c'est un secteur très concurrentiel parce que c'est des montres qui plaisent. La preuve en est, quoi. Je veux dire, c'est des designs qui marchent. Moi, j'ai l'Oster Perpetual, toi, t'as la Snowflake. C'est des montres qui rentrent dans ces codes-là. Ouais. Et donc, ici, en cadran gris, on a une proposition de Breitling avec la Breitling premier en 40 mm. La Omega Railmaster à 5 000 euros en 40 mm. La Oster Perpetual, alors la seule version grise, c'est l'ancienne version en 39 mm. Il n'y a pas de version Oster Perpetual gris dans la collection actuelle de Rolex. La Aquaterra, avec son cadran gris, qui du coup, puisque c'est une Aquaterra et pas une Rainmaster, elle est plus chère. À 5 700, pardon. Et la Grande Seiko SBGH 279 à 6 200. Il l'appelle Qui rhodium, est. hein, cette couleur Rolex. C'est Tout à rhodium, fait. non? Tout à fait. Tout à fait. Avec, y a des petits index bleu ciel. On les voit pas très bien sur la Ouais. photo, mais. Ouais, tout à fait. Moi, j'hésite vraiment entre les deux Omega. J'aime beaucoup la Rainmaster. Si on voyait le mouvement, je serais parti sur la Rainmaster. Là, entre la Rainmaster et la Aquaterra, Eh je bien, moi, pense je que vais je choisir pars. la Aquaterra, Vincent, comme ça Ah t'aidera. bah, j'allais dire, je pars sur la Rainmaster, donc. Moi, ce qui me dérange sur la Railmaster, c'est que, étant donné qu'on est encore une fois sur du gris-gris, c'est important pour moi d'avoir de l'appliqué pour donner un peu de relief à la montre, ce qui n'est pas le cas sur la Railmaster. Donc, pour moi, elle est trop terne, plate, quoi. C'est important d'avoir des index quand on a une uniformité de couleur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'elle n'a pas de relief. Maintenant, son cadran est brossé. On le voit là. Bon, c'est une photo stock, mais en vrai, c'est un cadran qui, du coup, qui a de la texture, en tout cas, même s'il est plat. Je veux dire, il y a un motif. Hein. Et les index sont en fausse patine. Alors, ça plaît pas. Mais du coup, ils sont pas non plus orange uni. Il y a une espèce de vieillissement et tout. Moi, je trouve que ça marche bien. Mais je vois ce que tu veux dire. Et la Quaterra est pleine de relief. Et on voit le mouvement, ce qui est aussi en plus. Ouais, la Quatera est vraiment top. Le bleu-gris, ça marche bien avec les index luminescents blancs. Et le cadran aussi est pas mal en mode latte de voilier, quoi, un peu. Donc elle est bien, ouais. Ouais, deck de bateau, ouais, tout à fait. Mais je pense que la Railmaster passe mieux sur si je veux mettre un bracelet un peu plus, changer le bracelet acier pour un bracelet en cuir. Ou je pense qu'elle passe mieux que la Quaterra. Ouais, sur la Rainmaster, tu peux mettre un bracelet, je pense, marron, un peu aventurier, un peu vieilli, quoi. Un marron vieilli, ça passe super bien, en effet. Ok, nos choix ont été faits et donc tous les deux on s'est dirigés vers Omega. Ouais, t'es content, Vincent, hein?
T'es content? Bah ouais, même si au final, moi, le choix de ce type de monte a été fait et je suis allé chez la couronne, quoi. Ouais. Mais en gris, c'est Omega qui l'emporte. Est-ce qu'en bleu, toi, tu prends la nouvelle Oyster Perpetual de Rolex contre une Aquaterra bleue, par exemple? Non, en bleu, je me dirais que j'ai la Grand Seiko qui a sorti pas mal de modèles bleus que j'aime bien. Ok, intéressant. All right, on passe à la suite. Alors là, on a deux two-tones qui sont du meilleur goût. C'est le battle des two-tones. On a la Rolex Turnograph qui a été produite jusque fin des années 2000, il me semble. Du coup, two-tone avec cette lunette qui tourne et l'aiguille rouge, acier en jaune. Et on a la Seamaster 3. Et la date rouge aussi. Oh là là, elle est horrible cette... Oh. C'est une Datejust Turnograph. Et la Seamaster 300 qui est en titane, tantale et or rose. Alors, c'est même pas un two-tone, c'est un tritone. Au final, il y a trois métals et on voit, tu vois, que l'intérieur des maillons du troisième et du Il est un peu deuxième plus brillant. Bah, franchement, par élimination, je choisis la Omega, mais la Omega, en fait, ce bracelet d'Omega, c'est pas le seul modèle hein, sur lequel il y a ce bracelet. Ce bracelet est vraiment pas bien réussi chez Omega. C'est pas le seul, mais chez Omega, il y a d'autres bracelets qui sont pas très confortables, mais qui sont beaux. Celui-là, il est ni confortable ni beau. Enfin, il est. Donc. Je choisis celle-là, mais j'aime pas trop non plus, quoi. Mais la Rolex, la Turnograph, ça, la date rouge, le two-tone très marqué que j'aime pas, et le rouge, cette touche de rouge, en fait, pourquoi ça va pas? Bah moi, je prends la Rolex. La Seamaster 300M, déjà, c'est un modèle que je porte pas dans mon cœur, mais alors en two-tone, je peux pas, quoi. Donc. Donc je pars chez Rolex. C'est les deux de toute façon, je pense que les deux j'enlève le bracelet, je mets un bracelet en cuir ou autre. Ou... Ah oui. La Seamaster 300M, je sais pas quoi en faire. Hein. Tu mets quoi comme bracelet? Tu mets un bracelet en caoutchouc, un rubber. Ouais. Je la porterai pas la 300M vraiment. Alors que la Turnograph, je peux voir des situations où je la porte. Tu vois. Non, moi je préfère la Seamaster sur rubber. Pour enlever ce bracelet pas top. Ok. Et ben on passe à la suite après des montres de très et bon. Puis et puis t'as du tantal dans ta montre, quoi. Sympa. T'as du tantal, nickel. Allez, on passe à la suite. Alors on a deux. Omega Planet Ocean, c'est un peu le battle fratricide des Planet Ocean. Les deux sont étanches à 600 mètres, sont modèle chrono coaxial master chronomètre. On a une version en acier, une version en titane, sachant que l'une est à 8000, l'une est à 10000. C'est la 8000 a un cadran qui a l'air d'être en titane, mais le boîtier est en acier. Que l'autre, elle est complètement en titane. Et les deux ont le même mouvement. Ah oui, donc elle n'est pas en titane. En fait, l'autre, elle n'est pas du tout en titane. C'est plutôt une montre acier que titane, quoi. Oui, le cadran est en titane, c'est marqué TI, mais le boîtier et le bracelet de celle de gauche sont en acier. Voilà, c'est une question de design. Hein. Et je sais que pour toi, c'est un peu la peste et le choléra, ces deux montres. Oui, franchement, moi, je prends celle enfin, de droite. J'ai du mal à choisir, là. Je prends celle de droite qui est un peu plus. Un peu moins criarde. Ouais, je me dirige aussi vers celle-là. D'habitude, les lunettes unies, colorées, j'aime bien, notamment chez Tudor, par exemple. Mais ici, en les voyant toutes les deux à côté, je préfère quand la lunette est que colorée sur un seul quart. Je trouve que ça marche mieux quoi, sur ce modèle-là. Ouais. Ici, quoi. Donc, je pense en titane. Ouais, je pense que vraiment, si vous hésitez là-dessus, ça vaut le coup d'économiser encore un peu et de prendre le modèle titane, surtout parce qu'en acier, ça doit peser une tonne, cette montre. Donc, vu les dimensions, je pense qu'il vaut mieux l'avoir en titane. Quoi. Ouais, on doit la sentir, ouais. Je dis pas que c'est importable, mais le titane est tellement plus confortable. Enfin, 30 à 43, ouais, 30% de moins en poids, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. Allez, on passe à la suite. On est
toujours, alors toujours chez Omega, mais il y a aussi d'autres, d'autres contestants. Il y a la Planet Ocean 600 mètres à 8000 euros en titane, la Yachtmaster de Rolex à 11000 euros, qui est en acier et en platine, la lunette est en platine, la Ploprof 12000 euros. Alors il y a différentes versions de la Ploprof. À la base, je voulais faire un battle de Ploprof et je me suis dit que t'allais pas supporter. Clairement. Je me suis dit, si je lui mets la Ploprof lunette orange versus la Ploprof lunette grise, il allait quitter la vidéo. Ah oui, t'aurais donc en titane la Ploprof et la Batiscafe de Blancpain, qui est la plus chère du lot à 13000 francs suisses. Ouais. J'hésite entre la Rolex, alors j'élimine en effet, comme tu l'as bien prévu, la Ploprof immédiatement. J'hésite entre la Rolex et la Blancpain. La Blancpain me paraît un peu vide quand même, parce qu'en fait, elle est très grosse et elle est très épurée. Enfin, très grosse, elle fait 43 et elle est très épurée. Le cadran est très épuré, donc ça donne quand même une. Il y a très peu de texte et le cadran fait vide, quoi. Je trouve que la Rolex est un peu plus équilibrée, notamment parce que la lunette est plus large, plus épaisse. Et la Rolex, pour l'avoir vue en vrai plusieurs fois, cette Yachtmaster 40, elle rend vraiment bien. Là, la lunette, on dirait qu'elle est toute terne, très claire. Ouais, en vrai, ça ne rend pas du tout comme ça. Elle est vraiment bien en vrai. Ouais. Et on a cette ligne d'écriture bleue avec l'aiguille bleue, un bleu qui est super bien aussi. Je vais prendre la Rolex. Ok. Eh ben moi, je prends la Ploprof. Je sais que je la porterai quasiment jamais parce que elle est énorme et c'est un monstre, mais c'est un peu une pièce de musée pour moi, tu vois, c'est genre. Ouais. Tu préfères avoir une pièce de musée qui sort pas de ta boîte ou de la banque plutôt qu'une Yachtmaster que tu peux porter, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais la Yachtmaster, je suis pas sûr que je la porterai tant que ça. Le bleu, moi, j'aime pas trop. Ouais. Donc, je ne suis pas convaincu par la Yachtmaster. Alors, le modèle cadran bleu de la Yachtmaster, j'aime beaucoup mieux. Il y a un modèle cadran bleu, je crois, avec une aiguille rouge. Pas sûr, mais oui, je crois. Là, j'aime bien, mais version cadran gris, non, j'aime pas trop. Donc, je prends la Ploprof parce que la Planet Ocean, c'est un peu. Elle est énorme aussi, moins, mais. Et quitte à y aller, autant y aller franco. Ah bah là, tu vas franco, hein. C'est sûr. Okay. Ouais. Non, mais je la mettrais pour. Tu vois, je la mettrais pas, je me restreindrais. Les seules fois où je la mettrais, c'est pour plonger, que pour plonger, tu vois. Je la mettrais pas dans la vie de tous les jours. Bah oui, tu peux pas la mettre dans la vie de tous les jours, comme ça, là. Ouais, dans la vie de tous les jours, je la regarde et je l'admire. Ouais. Par contre, il te faut deux cases dans ta boîte à montres. Pour la ranger. Il faut que tu enlèves une petite tirette pour réserver deux places. Tout à fait. Tout à fait. Allez, on passe à la suite. On attaque les montres qui sont les montres de sport qui ont un côté plus luxe, haut de gamme, parce qu'on est au-dessus de 10 000 euros. On a la Gérard Perregaux Laureato, la Piaget Polo S, la Octo Finissimo en acier, la Octo Finissimo en titane, la plus chère de ce slide, à presque 15 000 euros. Donc voilà, des montres. Ouais, vas-y. Vas-y, des montres quoi ? Non, des montres qui, voilà, qui commencent à respirer le luxe un peu. Moi, j'hésite vraiment entre l'extrême gauche avec la Laureato et la Octo Finissimo. La Octo Finissimo est vraiment cool. Maintenant, je pense que la Laureato, elle est peut-être à prendre en seconde main à 7-8 000, mais peut-être pas à 10 000 neuf. Donc, je pense que je pars sur la Octo Finissimo. Mais sur le marché de l'occasion, je préfère la Laureato et un meilleur rapport qualité-prix, je pense. Ouais, sachant que la Octo Finissimo, elle est trouvable neuve à beaucoup moins que 15 000 euros. Ah oui ? Ouais, sur Chrono 24. Ah, ok. De quoi ? Non, j'ai dit, ah, ok. Ouais, sur Chrono 24, on la trouve à 12,5. Voire parfois même moins. Je choisis sans aucune hésitation la Octo Finissimo, on va dire normale, c'est-à-dire la titane à droite, version de base. Elle est beaucoup plus réussie que la acier, déjà parce que les chiffres ressortent mieux en noir. Mmh. Sur la version acier, les chiffres, en fonction de l'orientation, on ne les voit même pas en fait. Ils disparaissent. Ouais.
parce qu'il renvoie trop la lumière. Donc elle n'est pas très bien réussie, celle-là. Quitte à choisir une Octo Finissimo acier, je choisirais plus la bleue. Ouais, ok. Voilà. Ok. La Piaget, moi, je trouve qu'elle est un peu trop chère quand même. Ouais, les polos sport, j'ai un peu du mal. Il y a certains modèles qui sont pas mal. Il y en a un vert aussi qui est pas mal aussi, je crois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, comme ça, non, en gris, pas top. Pas okay. On augmente encore, là on passe sur des chronos. Donc deux versions des montres d'avant, mais cette fois avec chrono. La Polo S à 15 000, presque 16. Ou la Octo Finissimo chronographe GMT, que j'avais mis dans ma vidéo des meilleurs chronos d'ailleurs, en titane à 18 000. Donc pour moi, le choix est évident, je l'ai déjà annoncé dans une autre vidéo, c'est la Bulgarie. Ouais, la Bulgarie qui est toujours en titane et qui a les mêmes index que sur la version précédente 3 aiguilles et qui en plus est GMT, donc chrono le plus fin du monde pendant un moment. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le chrono le plus fin du monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand il était sorti, c'était le cas. Et en plus, GMT. Et GMT, pas n'importe quel GMT, GMT avec réglage instantané. C'est-à-dire que c'est celui qui a 10 heures, le poussoir à 10 heures permet d'avancer. À 9 heures. À 9 heures? Ah oui, il y en a qu'un, oui, tu as raison, à 9 heures, ouais. Permet d'avancer d'une heure. Donc, par exemple, si l'aiguille des heures, s'il est 10h30, l'aiguille des heures, elle va être entre deux index, forcément. Et donc, ça va avancer d'une heure en laissant au bon endroit, quoi. Donc, ça, c'est hyper pratique. On a pas besoin de régler en tournant les minutes ou en faisant d'autres manips, juste on avance des heures. Parce que, de toute façon, quand on change de time zone, c'est des heures, quoi, qu'on change. À part de très rares exceptions où c'est des demi-heures. Donc ça, c'est très, très pratique quand on voyage beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de GMT qui ont ce fonctionnement-là. Et c'est vrai que c'est pratique. Et un mouvement magnifique, comme sur la version 3 aiguilles. D'ailleurs, sur la version 3 aiguilles, on n'en a pas parlé, mais le micro-rotor est en platinium, en platine. Oui. Ce qui est voilà, dans sa montre. Pour avoir la meilleure inertie. Quoi. Ouais, voilà, on a quand même massif. Quoi. Là aussi, il est en platine, le rotor. Le rotor périphérique, ouais. Il est en platine. Moi, je trouve, tu vois, Piaget Bulgarie, c'est un peu les deux qui se tirent la bourre pour avoir les montres les plus fines. Oui. Je trouve ça triste que Piaget ne mette pas toute cette expertise-là dans les polos, que les polos restent des montres, au final, classiques et tu vois que Piaget joue cette carte de l'ultra fine sur leurs montres habillées qui sont les Altiplano. Et pourquoi pas faire des ultra fines dans la gamme Polo, quoi. C'est ça que. Ouais, c'est vrai, ils utilisent que la gamme de l'Altiplano pour leur prouesse de finesse. Mais Bulgarie aussi, hein, ils utilisent que la Octo Finissimo. Hein, Oui, oui. Mais du coup, Bulgarie n'a pas trop de concurrence. Non. En effet. Si quelqu'un chez Piaget nous écoute. Allez, on passe à la suite. On passe. Ah bah voilà, tu l'as ta sapec. Elle est là. Elle est là. Bien sûr. Elle est là. Oh, mais il y a du lourd en face. Hein. Et ouais, c'est dur. Bon, après, c'est pas les mêmes gammes de prix du tout. Hein. Mais donc, on a la Xapec à 18 000 euros, Antarctique, Terre d'Adélie. La Audemars Piguet Royal Oak à 23 000. La Oversea Ultra Fine, qui elle est en or blanc, donc forcément, elle demande un prix plus élevé à 50 000. Et 60 000. Élément particulier sur cette Overseas Ultra Fine, en fait, si vous voulez une Overseas en 40 sans date, bah, vous êtes obligé d'aller vers celle-là, mais elle est en or blanc, du coup, donc pas de chance. Il va falloir débourser plus de 60 000 euros, mais assez rare pour être. La celle sans date, ouais. Toutes les Overseas ont des dates. Celle-là, non. Quand je l'avais vue, j'ai dit, mais c'est génial, je n'avais pas vu qu'elle était en or blanc. Donc potentiellement, elle aurait pu être à 22, 23, 24, mais non, elle est à 60. Ouais. Bon, même à 22, j'aurais pas acheté, hein, mais j'étais content de voir une Overseas sans date, mais elle est en or blanc. Elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça, pour une montre dans sa collection, la Overseas Ultra Thin, celle-là, ce modèle-là, là, c'est parfait, quoi. Donc, je vais choisir celle-là parce que, enfin, quand j'ai vu la slide, je me suis dit, ah, la Xapec que j'attendais, c'est sûr que je vais choisir celle-là, mais en fait, tu as choisi et tu as eu raison hein, de mettre la Vacheron en face. Elle est parfaite, quoi, cette montre. Ouais.
Imagine si la, ouais, si la Vacheron existait en acier dans les mêmes gammes de prix aux alentours de 20 000 euros, tu prends forcément la Vacheron du coup. La Xapec n'a aucune chance, quoi. C'est ça que ah, bah oui, ah, oui. Parce que ah bah oui, là, 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 la comparaison est un peu biaisée. Parce oui, qu'elle oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais imaginons attends. Qu'elles soient en acier au même prix. Ah, bah en acier au même prix, ça serait pour moi un objectif dans la vie, au même titre qu'aujourd'hui la Moser Streamliner verte. Ouais. Tu vois, 20 000 euros, tu peux viser ça à échéance 10, 15 ans, tu vois, je sais pas. Clairement, si elle était à 20, 25 000 euros, celle-là, ça serait un de mes objectifs. Ouais. Là, du coup, c'est pas possible, mais non, en acier, elle aurait aucune concurrente. Voilà. Ok. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, et en même temps, j'aime beaucoup l'Audemars Piguet. Là, je suis. Ouais, moi je vais partir sur l'Audemars Piguet, je pense. Mais la Audemars Piguet, tu sais qu'elle vaut, en vrai, elle vaut autant que la Vacheron Constantin. Non, mais ok, imaginons qu'elle soit, 20, qu'elle soit à peu près les trois au même prix. Je préfère le design pur, enfin la montre pure de base, les trois en acier, je préfère l'Audemars Piguet. Maintenant, oui, si tu prends les cotes et tout, c'est sûr que l'Audemars Piguet, jamais je l'aurais. Donc tu préfères le, en design pur, tu préfères donc le design de la Royal Oak classique que la Overseas. Bah ouais, je préfère. En fait, oui. De base, tu mets la Overseas classique avec la date, je sais pas. Mais là, sur ces montres de ce type-là, je préfère avoir une aiguille des secondes et je préfère le rotor de la Audemars Piguet. Je préfère le mouvement de la Audemars Piguet au mouvement de la. Ouais, c'est vrai que le rotor ajouré est peut-être un peu mieux. Mais sur la Overseas, on a aussi le changement de bracelet. Hein. Donc, tu as trois montres. Hein. Ah oui, c'est vrai ça. Tu as une montre habillée, tu as une montre de visage. Ouais. Tu me mets mal, Florent, là. Ah, c'est dur. Bah, je passe sur la Overseas, tu m'as convaincu. J'ai vraiment aucun avis. Ouais, mais la Xapec au milieu de tout ça, c'est horrible, parce qu'il est vraiment bien, cette Xapec. Ouais. La texture du cadran est très, très belle. Ouais. Après, on le sait, hein. La Vacheron est pas dans nos moyens, la Audemars Piguet non plus, vu la cote actuelle. Donc, la seule de cette slide qu'on peut avoir. On pourrait avoir un jour dans notre vie. Ouais. La seule de cette slide qui est vraiment aux alentours de 20 000, c'est la Xapec. Et encore. Je suis même pas sûr. Si demain tu la veux, je pense qu'il faut peut-être débourser un peu plus de 20 000 pour l'avoir. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait une. Ok. Et ben ouais, je pense qu'on est tous les deux sur la Overseas, je pense. C'est dur. Hein. C'est dur. Le battle Royal Oak Overseas, moi je suis toujours pas fixé là-dessus, je pense. Au final. Ouais. Enfin, en tout cas, les trois sont vraiment. Ouais, carrément. Belle slide. Allez, on passe à la suite. On est sur les chronos. Beaucoup d'Audemars Piguet. beaucoup d'Audemars Piguet chrono dans les mondes de sport. Aux alentours de 30 000 euros. On a la Royal Oak Chrono de base, la Royal Oak Chrono Offshore, qui est même un peu qui est plus chère et qui est en titane. On a la Vacheron Constantin Overseas Chronograph qui se retrouve un peu tout au milieu de ces Audemars Piguet, un peu seul. L'édition limitée à 150 exemplaires, qui est un mix entre de l'acier, un toutone acier titane, qui est un mouvement manufacture. Le Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chrono, les nouvelles qui, elles, maintenant, ont un mouvement manufacture, ce n'était pas le cas avant. Et Royal Oak Offshore Chrono en titane à 40 000 euros. Elle est vraiment grise, la Vacheron, la Overseas Chrono. Alors, elle est bleu-gris. Elle est bleu-gris, mais il fallait. Je voulais pas avoir une slide que Audemars Piguet. moi, j'ai vraiment trop de mal avec les offshore. Hein. Donc, j'hésite. En fait, les offshore, je les élimine d'emblée. Donc, j'hésite entre la Royal Oak Chrono. Et la Vacheron, mais la Vacheron, elle est bleue. Ah, la Royal Oak Chrono, elle est vraiment bien aussi. Hein. 38 par 11, les dimensions sont parfaites. Je vais prendre la Royal Oak Chrono, parce qu'en plus, la Vacheron, elle est pas dans le thème. Elle est comment c'est ? Elle est hors thème. Hors thème, ma chérie. Hors sujet. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur la Vacheron. Moi, je pense que de toutes celles-ci, c'est dur, hein. Je pense que je prends la Royal Oak aussi. Même s'il y avait pas le. Même si elle était dans le thème. Si elle était dans le thème, si le thème c'était juste les chronos pour 40 000 euros, bon, je pense que je prends la Royal Oak quand même.
Non, elle est vraiment bien. Les proportions sont parfaites. Ouais. Pas de battle au final et pas le temps de niaiser les offshore à la poubelle. Ouais, clairement, les mondes de Terminator, c'est bon. On a deux tourbillons. La Bulgari Octofinissimo tourbillon à 112 000 euros. Étrangement, je crois que c'est une des premières Octofinissimo qui est sortie. Et Tourbillon le plus fin du monde? Oui, mais sorti, il me semble, en quelque chose comme 2014. Je suis incapable de retrouver l'épaisseur. Le site de Bulgari ne donne pas l'épaisseur. Bon, Donc, l'épaisseur, c'est on doit possible être qu'il se à... soit fait battu, c'est possible qu'il se soit fait battre et que du coup, ils l'ont Ah oui, enlevé qu'ils aient pour la pas. boule. Pour moi, c'est Peut-être. du en 5 à 6, je pense. 5 ou 6. Ouais, peut-être. Et versus la Royal Oak Flying Tourbillon en titane qui se vend à 124 000 euros, donc à peu près dans les mêmes gammes de prix. C'est vraiment difficile parce qu'en termes de prouesse technique, la Bulgarie est largement au-dessus parce que mettre un tourbillon dans 5 ou 6 mm d'épaisseur, c'est du délire. Mais par contre, au niveau facial, je préfère la Audemars Piguet. Je trouve que le tourbillon est mieux intégré sur ce cadran gris parce qu'on a du jaune dans ce tourbillon de Bulgarie et ça ne va pas Oui, trop avec la ouais. montre. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, mon cœur balance. Ouais. J'ai l'impression que le tourbillon Bulgari est un peu moins squeletté que la Royal Oak, donc peut-être que je préfère celui-là. Mais je pense que j'aurais préféré si le tourbillon était, tu sais, comme la Octofinissimo un peu excentré à 7 heures, qu'on ait le 6 Ah et oui. après les secondes, bah, tu vois qu'on ait le 6 et après le tourbillon. C'est peut-être été un peu mieux aussi, un peu ce petit décalage-là qui fait aussi le charme de la Octofinissimo normale. Je Ouais, pense qu'il c'est manque. vrai. C'est vrai, ils ont décidé de le mettre à 6 heures là, ici. Ouais. Ouais. Par contre, sur les deux, Turbulence. moi, ce que je souligne sur les deux et qui est très bien, c'est qu'on n'a pas la fixation du tourbillon qui Ouais. dépasse là. Ça, c'est vraiment le truc qui, pour moi, est le tue-l'amour des tourbillons. Donc, on n'a pas ça. Ouais, on n'a pas le pont, ouais, super. Bah, les deux, c'est des tourbillons volants, ouais, qui sont fixés que par le bas, du coup. Bon, la cage est fixée par le bas. Ouais, je pars sur la Bulgarie, moi, je pense. C'est étrange, mais ouais, je pars sur la Bulgarie. Je pense que j'ai l'impression qu'il est trop gros, en fait, sur la Royal Oak. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point c'est vrai que c'est un bon point. L'ouverture du tourbillon, il fait, bah en fait, il fait la moitié du cadran, quoi. Bah ouais, c'est C'est vrai que ça. pourrait le voir en vrai comment c'est, mais ouais, c'est un Ouais. bon point. Bon, Tu m'as après. convaincu, Vincent. Je vais prendre la Bulgarie. Très bien, C'est pas yes. compliqué. Oui, Non, mais c'est proche, c'est assez proche. oui. Ce jaune me dérange un peu quand même dans la Bulgarie. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de l'or ou j'arrive pas à voir. Mais... Bah, c'est le. Non, mais c'est le balancier. C'est, tu sais, l'alliage qui est utilisé pour le balancier, ça doit être, je sais Ouais. pas, de zinc ou j'en sais rien. Toutes les balances de tous les mouvements, généralement, sont dorées, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est plus étrange que celle de la Audemars Piguet soit pas dorée, tu vois, du coup. Bulgarie, du coup. Ouais. Allez, on passe à la suite. Deux calendriers perpétuels. La Bulgarie Octofinissimo, encore et toujours. Aiguille d'or du GPSG. Et la Royal Oak Quantième perpétuelle à 88 exemplaires, en titane aussi. Il me semble, édition limitée au marché asiatique, il me semble. Bon, là, pas trop de suspense, hein. On va choisir l'aiguille d'or qui a été primée il y a quelques semaines. La Octofinissimo, pour moi. Ouais, je suis d'accord aussi. Même si ce calendrier perpétuel sur la Royal Oak est quand même assez cool, je préfère la Bulgarie pour moi. C'est un design iconique du moment où il est sorti avec les deux rétrogrades. Je trouve ça vraiment pas mal. Ouais. La nouvelle disposition qu'on n'a jamais vue, je trouve ça cool. Mais après, le Royal Oak, le calendrier perpétuel est vraiment réussi. Et Audemars Piguet l'a décliné dans plusieurs versions qui sont assez cool. Et je crois que même il y a une version céramique. Dans une Royal Oak céramique qui marche vraiment bien. Ouais. En tout cas, c'est sûr que la Bulgarie, c'était prévisible, hein, mais la Octofinissimo, bah, montre sport en gris, forcément, elle allait un peu tout rafler, on le voit. Enfin, en tout cas, elle est C'est présente vrai. de partout. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, Florent, on a fini ces battles.
J'ai envie de dire Bulgarie, grand gagnant des cadres en gris, quoi. Un peu. Et oui, j'ai anticipé ta conclusion, Vincent, désolé. Ah non, mais. Je ne savais pas que c'était fini en plus. Mais, c'est mais toi ouais, qui me l'as. en même temps, quand on en est à ces niveaux de prix, il n'y a plus grand-chose au-dessus. Quoi. Donc, le fait de voir Bulgarie, qui est très représentée ici dans ces mondes gris, moi, ça me paraît normal, même s'il est plus récent que les Nautilus, Royal Oak, etc. Pour moi, c'est au même niveau on va dire d'iconique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ouais. Surtout, c'est un modèle qui marche dès que cet octo finissimo pour moi marche. Alors après, la question est-ce qu'on n'a pas plus d'attrait pour la octo finissimo parce qu'il y a moins de hype que sur la Royal Oak, par exemple. Tu vois, que c'est moins connu et du coup, c'est peut-être un peu plus confidentiel, en effet. Il y a moins de ce délire ambiant. Peut-être que ça joue psychologiquement, peut-être. Mais en tout cas, elle peut se mettre à la table des Royal Oak, des Nautilus, etc. Quoi. Ouais, moi, je suis d'accord. Et c'est quand même un design qui, pour moi, est très réussi. Le sablage qu'il y a partout, la finition du titane est très réussi et c'est assez innovant. Quoi. Après, la question, donc là, c'était sur les cadres en gris. Si on change de couleur et qu'on a toujours les mêmes battles entre, imaginons que ce soit entre Bulgarie, entre Octo Finissimo, Royal Oak, Oversea, mais sur un cadran bleu, est-ce que c'est toujours, tu vois, Bulgarie a sorti la Octo Finissimo en acier avec un cadran bleu, est-ce que c'est toujours la Octo Finissimo qui l'emporte ? Eh bien, on verra ça dans une prochaine vidéo, Vincent. Non. J'annonce, je ne ferai pas de vidéo de cadran bleu, ça va être trop long. Déjà, cadran gris, il y a beaucoup trop de choix. Ouais. Cadran bleu, ce sera une vidéo de 4h30 et encore. Non, mais en tout cas, on a mis à l'honneur, mais pas mal quand même Bulgarie. Et, c'est normal parce qu'il se base sur un cadran gris à la base, même s'il commence à le décliner sur du bleu, sur du noir. À la base, c'est quand même un cadran gris, donc c'est bien de le retrouver là. Mais bon, on n'a pas parlé que de Bulgarie, il y avait quand même d'autres bons modèles, donc merci Vincent. Merci à toi Florent, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres modèles cadran gris que vous aimez, que vous voulez nous soumettre à notre jugement impartial. Non, je rigole, complètement partial. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut Vincent et salut à tous.